Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un haul action. J'y ai été vite fait tout à l'heure, c'était pas prévu, mais j'ai une copine qui est passée qui m'a dit bah oui, on va faire un 3 action. Bon, j'étais pas très chaude parce que c'est pas la grande forme, mais finalement, bon, ben, elle m'a dit mais t'inquiète, on y va vite fait, je conduis et tout, donc voilà. Donc, bah, forcément, j'ai trouvé des bricoles. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, j'ai trouvé des élastiques en dentelle comme ça. Voilà. Bah, j'ai craqué. Ils sont trop jolis. Alors, c'est pas pour mettre dans mes cheveux, n'est-ce pas? Quoique. Mais c'est parce que je me suis dit que je pouvais faire quelque chose avec. Et ça, c'est 99 centimes. Donc voilà, pour les loisirs créatifs. Il y avait d'autres couleurs aussi. Moi j'ai pris blanc juste. Ensuite j'ai trouvé. Les... Je sais pas où ils sont, j'en ai pris plusieurs. Les peintures 3D comme ceci. Alors je ne suis pas fan, j'en avais. Mais c'est plutôt dans le sens de m'en servir en peinture ou. Voilà, c'est pas pour faire vraiment de la peinture 3D puisque ça ne vaut rien, hein, on le sait. Donc voilà, et j'avais pas ces couleurs, je les ai trouvées très jolies. Voilà, pour le prix, je sais pas, ça devait être 1 €. Ensuite, j'ai repris les pansements comme ceci. Donc ça, c'est 99 centimes, je crois. Voilà. Ensuite. J'ai pris du sealing bank, il était en promo à 2 € quelque chose. Donc j'ai pris dégraissant. Et celui-là, c'est. Je sais plus, je l'ai vu. Nettoyant mousse puissant, voilà. C'est surtout pour ce qui est salle de bain, WC, tout ça. Donc à voir. Parce que si ça peut m'éviter de frotter comme une dingue la salle de bain, c'est très bien. Ensuite, j'ai trouvé des fleurs. Et il n'y avait que ça. Ouais, j'ai pris celle-là, c'est des roses. Voilà. Après, si vous aviez les roses pailletées, celles qu'on a toujours. Donc, oui, celle-là. Voilà. Donc, alors, attendez, je vais séparer comme ça. Ce sera plus facile à ranger. Voilà, j'ai pris ces couleurs aussi en 3D. Donc, violet clair, rose et violet foncé. Je suis désolée pour la lumière. Et j'ai pris celle-là. Donc en fait, c'est comme je n'ai pas encore de patine, là, de cire et tout ça, pour le steampunk et tout ça, je me suis dit que peut-être ça pourrait servir en attendant. Bah, normalement j'attends une commande là donc je vais voir mais j'ai pas commandé les cires, je crois que je les avais enlevées parce que ça me faisait trop cher donc en attendant donc c'est gris clair, argenté, marron bordeaux, je sais pas si vous voyez, et noir gris, voilà. Donc ça, hop. J'ai trouvé ces fleurs pailletées comme ceci, elles sont oranges, elles sont trop jolies donc je les ai prises. Hein. Voilà, j'ai pris des pinceaux comme ceci avec le bout arrondi. Voilà, parce que je croyais en avoir, j'en ai plus, et surtout, c'est surtout pour les fins en fait, parce que ça peut servir quand on fait des bricoles qu'il faut un truc fin. Et moi, j'avais que les carrés donc du coup, je les ai pris. Ensuite, bon, rien de folichon, du javel pour les WC. Voilà. Le bloc pour les WC comme d'habitude. Ensuite, j'ai pris des lingettes dépoussiérantes. Voilà, ça c'était 99 centimes. Ou 1,99 €, je ne sais plus. J'ai un trou. Non, je crois que c'était un 99. Ensuite, j'ai pris du sable comme ceci. J'en avais plusieurs.
Alors, peu importe la couleur, en fait. J'ai pris gris clair. J'ai pris beige. Marron, beige, ouais. Voilà, je sais pas. Et noir. Je les ai pris parce qu'il y a trois sortes de taille. Donc, du fin, du moyen et du gros. Pardon. Fin, moyen, gros. Et ça, ben, c'est pour le faire du mix média, tout ça. Parce que j'aimerais bien finir ben, l'album que je suis en train de finir là, de Sera Merveilleux. D'ailleurs, je suis désolée, j'ai pris du retard, mais c'est indépendant de ma volonté. Ça a été un peu compliqué cette semaine, donc j'ai pas pu trop continuer. Il est bientôt fini, hein. Il me manque que les détails. Et j'aimerais bien après, vous savez, faire du mix média ou du steampunk avec les moules Stampéria que j'ai fait l'autre fois. Donc, je vous ferai voir ça si c'est pas trop catastrophique, hein, parce que je sais pas le faire. Ensuite, j'ai pris des roses pailletées comme ceci. Alors, elles sont trop jolies. Je n'avais jamais vu. Elles sont blanches et roses. Voilà. J'ai pris qu'un paquet puisque il n'y en avait qu'un. Donc j'ai pris du gesso pardon primer parce qu'il en faut toujours. Et j'en ai trouvé du noir. Donc je l'ai pris. Voilà. Et ça m'évitera de passer du gesso, de passer après de la peinture noire dessus et tout pour quand je fais le mix média ou le steampunk. Bon, rien de folichon. J'ai pris des chaussettes, vous savez, qui s'arrêtent aux chevilles. Donc, c'est du 43-46. C'est pour mon mari. Et ça, c'était 2,50 € un truc comme ça, je crois. Et du coup, pour le boulot, j'ai pris un lot de 7 paires de chaussettes. Donc, ben, là, c'est pour mon mari et mon fils. Après, ils se les partagent. Ils se battent toujours les chaussettes. Puisque mécanicien et carrossier, ça change de chaussettes tous les jours et ça les bousille. Ensuite, j'ai pris une bande comme ceci, apparemment qui fait du froid, donc il n'y en a qu'une. Elle fait 3,2 mètres sur 10 cm. Voilà, c'est les trucs qui servent. C'est un peu la cata à la maison en ce moment, donc je me suis rendu compte que j'avais plus ce qu'il fallait. Donc petit à petit, je refais le stock, je vous l'avais dit. Donc ça, non, ça, non. Ensuite, pareil pour le steampunk et le mix média, j'avais pas de pchipchit. Donc du coup, ben, j'ai pris ceci. Voilà, alors ça c'est à Emma par contre, parce qu'il y avait le pchit. Voilà, ça c'était 3 € quelque chose quand même, hein. Mais bon, ça servira. Ensuite, j'ai pris ceci pour mettre à mon escalier, parce que j'ai pas de lumière dehors dans l'escalier, donc ça devient dangereux. Et du coup, pour mettre à chaque marche, j'ai pris ceci, donc c'est des lampes à LED solaire. Elles sont trop jolies en pierre. Je vais l'ouvrir. Voilà ce que c'est. Et là, ça se recharge ici avec le soleil. Et c'est quand même costaud. Ça, c'était entre 3 et 4 €. Donc, franchement, j'en ai pris deux comme ça. J'ai trouvé ça trop joli. En plus, j'adore tout ce qui est Bouddha, pierre, zen et tout, donc c'est nickel. En parlant de Bouddha, j'ai trouvé celui-là. Voilà, pareil, ça c'est une lumière, c'est à LED. Donc ça charge derrière. Donc là, il y a le bouton on et off, mais je sais pas trop à quoi ça sert en fait. Puisque... Non, je sais pas. Ça se touche pas, on verra. Mon mari, il regardera. Donc voilà, ça c'était 3-4 € aussi. En fait, c'était le même prix. Donc ça, j'en ai pris deux comme ça. Puisque je crois que j'ai 8 marches chez moi, dehors. Donc voilà.
Et j'adore les bouddhas. J'en aurais bien pris plus, hein, mais je pense que mon mari, il va pas être content. Surtout que du coup, j'ai pris ceci. Voilà. Donc, c'est un hibou, une chouette, pareil. C'est des lampes. C'est solaire. Voilà. Et ça, par contre, c'était 9,95 €. Mais il est grand. Parce que je sais pas si vous voyez la taille. Donc voilà. Et ben donc j'ai dit, on va le prendre. Ça servira toujours. Hop. Non, je vous rebaisse un petit peu. Non, elle a pris les poches, c'était pour que ça se passe dans la fosse. Donc ensuite, j'ai pris aussi. Alors, je sais pas trop pourquoi c'est, mais j'ai adoré les couleurs. C'est des crayons de couleur. Donc, ils ont sorti quatre nouvelles boîtes avec des couleurs et je les trouve juste trop jolies. Voilà. En plus, là, vous avez des numéros. C'est un peu comme les feutres à alcool en fait, mais en crayon de couleur. Donc, j'ai pris celle-là, donc la bleue. Je ne sais pas par contre s'ils y étaient tous ou pas, parce que du coup, je ne les connais pas. Donc, j'ai pris ceci dans les jaunes, oranges. Il y a du gris, du marron. Voilà. Et l'emballage, il est un peu rose, orangé. J'ai pris dans les verts. En fait, j'ai adoré les couleurs. Donc, et dans les roses. Donc ça. Ensuite. Bon, j'ai pris le café parce qu'en fait, du coup, comme j'avais plus de café, elle est vite allée m'en chercher. Et du coup, ben moi, je l'attendais là. Là. Donc ça t'entra quoi. Et parce que je lui avais dit si elle pouvait m'attraper, si elle trouvait des pchipchites. Donc il y en a un pour mon mix média, un pour ma fille en coiffure. Puisque elle n'a plus toutes ses affaires, puisqu'on lui en a volé. Voilà. Ensuite, à Action, oui, toujours dans mes pansements, j'ai pris cette trousse de secours qui va aller dans la voiture. Donc, c'était 3 €, je sais plus, 59, un truc comme ça. Donc, il y a 4 compresses, il y a une paire de gants, il y a une paire de ciseaux, il y a des épingles de suture. Non, de sûreté, pardon. Deux bandes extensibles, un bandage, une pincette, quatre tampons qui sont imbibés d'alcool déjà, des bandes sparadrap, des pansements non tissés, une feuille de route de premier secours. Voilà. Donc, vous avez tout ça. Donc, pour la voiture, je me suis dit que c'était pas mal. Voilà. J'ai repris des bandes à 99 centimes puisque du coup bah, il n'y en a plus. Voilà, donc bandes pour sportifs, donc c'est des bandes qui serrent. Voilà. Je vous dis, c'est un peu la galère en ce moment à la maison. Alors du coup, on fait le point. J'ai trouvé cette peinture, alors elle est un peu jaune dorée en fait, voilà, elle est, mais je l'ai prise parce que je l'ai trouvée très jolie, donc c'est pas la vintage par contre, et ben, à Action aussi, j'avais un trou là, j'avais un bug, désolé, j'ai pris ces petits pinceaux aussi, très fins. Voilà. Parce que celui-là, j'en ai plus. Je les aime bien. Ils sont petits. Et ça, c'était 99 centimes. Ben voilà. Moi, j'ai fait le tour. Je regarde. Ouais. Ouais, ben voilà. Moi, ben, j'ai fini pour mon petit haul. Voilà, c'était rapide. Mais j'ai quand même trouvé pas mal de trucs.
Après, voilà, je pense que on est quand jeudi. Je pense que oui, samedi, ils auront mis de nouveautés, je pense. Pareil, apparemment, ils avaient les blocs cartes là, qu'on m'a parlé, mais le rayon était vide. Vous savez, les livres là. Et apparemment, ils vont en recevoir. À suivre. Voilà. Ben écoutez, sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. Et ben je vous dis à très bientôt. Bye bye.